Salut Apolline, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce livre est Le voleur de doudou. Vous connaissez le voleur de doudou? Il rentre dans les chambres quand les enfants dorment. Personne ne l'a jamais vu, sauf moi, Natacha. Je vais vous raconter mon histoire. Je tourne la page. Un jour, quand je dormais, la nuit, le voleur de doudou est rentré dans ma chambre et a volé mon doudou. Sauf, le voleur de doudou a fait un faux pas. Il a marché sur un canard en caoutchouc. D'un œil, je me suis réveillée et j'ai vu un petit lutin sortir de ma chambre en un éclair, avec le doudou sous le bras. Sans bruit, j'ai vu le voleur de doudou mettre mon doudou dans un gros sac. Je m'étonne que c'est un gros sac avec tous les doudous qui allaient la voler. Attends, j'ai pas loupé une page. J'étais allée fouiller dans ce gros sac pour aller trouver mon doudou. Le sac était tellement grand que j'ai dû rentrer dedans pour prendre mon doudou. Ça y est, il est là. Zut! Oh mince. Ça va dire mince. Oh mince, une porte énorme. Une énorme secousse nous entraîne dans ce sac. Au bout d'un horrible voyage, le sac a été vidé et je me retrouve les fesses par terre. Quelle belle récolte! Quelle belle récolte! Mais où est le plus beau? Ah, le voilà! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il m'arrache mon doudou des bras. Donne-moi donc cette merveille. Donne-moi donc cette merveille. Alors on vole le voleur de doudou. Alors on vole le voleur de doudou. C'est la page que je préfère. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Ma pauvre, tu es au pays des sorcières. Et les sorcières mangent les petites gamines de ton genre. Cache-toi dans le coffre. Cache-toi dans ce coffre. Pas un mot. Quoi? Et pas un mot. Et pas un mot. Et le voleur de doudou ouvre la porte. Et soudain, c'est la page que
Et soudain, une horrible sorcière ça sent la chair fraîche. Non. Ça sent la chair fraîche. D'accord. Petit. De quoi? Petit. Je redis quoi? Ce que t'avais dit. Je suis en train de dire. Ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. Ça sent la chair fraîche. De l'affreuse sorcière. Non, non. Ça sent le doudou bien cueilli, bien frais. Non, ça sent le doudou. Ça sent le doudou. Bien frais. Bien frais. Regardez cette belle récolte. Le magnifique spécimen. De son doigt crochu, elle montre mon doudou. De son doigt crochu, elle montre mon doudou. Oh non, ce doudou est bien trop ordinaire. Il n'est pas à vendre. Oh non, ce doudou n'est bien trop ordinaire. Il n'est pas à vendre. Il n'est pas à vendre. Regardez plutôt celui-ci. Regardez plutôt celui-ci, joli. Volé à l'empereur de Chine. À la fille de l'empereur de Chine. Je suis là pour t'acheter une main doudou, histoire de me faire une bonne potion. Papa, tu me racontes tes histoires. Je suis là pour t'acheter un doudou. Je suis là pour t'acheter un doudou, pas pour que tu me racontes des histoires. Je veux ce doudou avec, doudou avec de la pâte de crapaud. Ça fera une magnifique soupe de sorcière. Ça fera une magnifique soupe de sorcière. Je veux celui-là. Je veux celui-là. Je veux celui-là. Et si tu ne me le donnes pas, je te transforme en grenouille. Compris? Bon, ne nous énervons pas. Ne nous énervons pas. Ok, mais il est très cher. Ok, mais il est très cher. La sorcière sort deux gros diamants de sa poche. Je pense que ça devrait me suffire. Je pense que ça devrait me suffire. Rigole le voleur. Il lui tend le doudou. Et comme un doigt, un diable sortant de sa boîte. Je saute sur
Je saute sur la sorcière pour récupérer mon doudou. Je saute sur la sorcière pour récupérer mon doudou. Voilà une surprise craquante, rigole la sorcière. Voilà une surprise craquante, rigole la sorcière. C'est mon apprenti, hurle le voleur de doudou. C'est mon apprenti, hurle le voleur de doudou. Arrête de me raconter des salades. Arrête de me raconter des salades. Et elle disparaît dans un nuage de fumée en emportant mon doudou, les deux gros diamants et moi. Bienvenue chez moi, dit la sorcière. Bienvenue chez moi, dit la sorcière. En m'enfermant dans une cage. J'essaie pendant un moment de forcer ma... La serrure de ma prison. Mais rien n'y fait. Ah, j'ai préparé une bonne soupe de sorcière, tu en veux un peu? J'ai fabriqué une bonne soupe de sorcière, tu en veux? Je l'ai fabriquée avec ton doudou. La nuit arrive enfin. Mais sans mon doudou, je n'arrive pas à dormir. Et tout à coup, j'entends. Et tout à coup, j'entends un petit bruit. Alors comme ça, je suis une affreuse gamine. Et toi, tu es le lutin le plus... Alors comme ça, je suis une affreuse vieille pique, ricane la sorcière. C'est ça que tu cherches. Et dans sa main, elle fait sauter une grosse clé et les deux diamants. Tu es le plus minable des voleurs microscopiques. Je n'ai pas besoin de clé pour ouvrir une porte, moi. Dis le voleur en me libérant. Je prends mon sauveur sur mon cœur et smack, je lui fais un énorme bisou sur les joues. Je prends mon sauveur sur les
puisque c'est comme ça, je vais vous transformer en crapaud. Critel. Voilà des animaux qui vous ressemblent. Voilà des animaux qui vous ressemblent. Le voleur et moi, on se fait un clin d'œil. On se jette sur elle. Et on se jette sur elle. Moi, je l'assomme avec un gros bisou baveux. Et lui, d'une main, lui prend sa baguette magique. Et de l'autre, enfile la sorcière comme un saucisson. Mmh. Tiens, prends ce doudou. Hey, mais c'est mon doudou. Normal, dit le voleur. C'est le plus beau. Normal, dit le voleur. C'est le plus beau. Sorcière, sorcière à vendre. Qui va acheter une très grande... Qui va acheter une vilaine sorcière pour lui botter les derrières? Qui va acheter une...